dans un article paru sur le site internet Sputnik Afrique. Le président de la Fédération de Russie a mis un accent sur l'histoire esclavagiste et colonialiste de l'Occident en Afrique. Vladimir Poutine a notamment souligné le fait que le niveau de vie de l'Occident dépend essentiellement de l'appauvrissement des peuples noirs d'Afrique, et ce, depuis des siècles. Il est optimiste pour l'Afrique. Il pense que l'Afrique a un rôle à jouer dans l'équilibre mondial. Il a notamment exhorté les dirigeants africains à se défaire des liens coloniaux avec certains pays occidentaux qui ne conçoivent l'amitié qu'en termes de domination. Il a rappelé que l'intervention militaire russe en Ukraine est le résultat d'un plan minutieusement conçu par l'Occident pour affaiblir son pays, mais surtout pour maintenir son hégémonie sur le reste du monde. Des déclarations qui sont d'une rare vérité au regard de l'histoire. À mon humble avis, un monde multipolaire serait bénéfique pour l'Afrique. Il permettra aux pays africains de développer des partenariats avec d'autres économies du monde, sans subir les affres racistes de l'Occident. Nous vous invitons à lire l'intégralité de l'article. Le lien se trouve dans la description. La coopération Afrique-Russie est plus que jamais souhaitée. Nous vous invitons à vous abonner et à partager l'information avec vos proches et sur les réseaux sociaux. La liberté de l'Afrique, du continent africain, est une affaire de tous.